like comme moi en 20 ans, j'ai zéro plainte, zéro, I have nothing. Mon dossier virgin, like a virgin. You had time to build, to prove, et tu as eu la chance d'interagir avec différents agents. Toi, tu as connu le temps où est-ce que tu te déplaçais chez le client pour le rencontrer, pour signer les contrats. Maintenant, puis tu sais, l'autre chose aussi que je trouve qui est important, qui vient contribuer à l'expérience, les erreurs que tu vas faire. Merci. Voir comment les autres font, apprendre de leurs erreurs, toi faire même tes propres erreurs, puis avoir quelqu'un qui va te back up. Puis c'est l'erreur que beaucoup d'inspecteurs font. Hein. Mm-hmm. Ils commencent, ils sortent de l'école, puis boum, ils veulent monter sur le terrain, puis là, moi je suis inspecteur, je sais pas. Puis c'est ça qu'ils te vendent aussi. Mm-hmm. Ils disent que comme si, oh, ben, tu sors de l'école et puis tu es capable d'aller, capable. Puis tu vas faire 300 000 par année, puis fait que tout le monde est motivé et tout. Puis c'est là vient la fougue des petits nouveaux là. Mm-hmm. Ils font leurs erreurs, ils font deux erreurs, trois erreurs, qui pardonnent pas, puis out. Je pense qu'il y a une certaine expérience qui s'apprend avec certaines erreurs, mais il faut avoir quelqu'un derrière toi qui est capable de te backer. Qui est capable de t'encadrer, te montrer, exactement. Te diriger de la bonne façon. Ouais. Il y a un agent d'expérience qui m'a dit, puis ça m'est toujours resté. Jacques, un client que tu vas commettre un acte qui n'est pas selon les règles de l'art, va tout mettre ta carrière à terre. Ouais.